Salut, ici Missing. On se retrouve pour l'épisode 111 du Challenge Apocalypse. Donc, de l'épisode précédent, les saisons sont arrivées, il a plu, et je crois que j'ai parlé de ça pendant 30 minutes. Voilà. Et là, on se retrouve, on reprend là où on s'était arrêté. Donc, il repleut, encore. Mais t'as pas de nom, toi? On s'est pas quitté. Ok, ah si. Ok, donc. On reprend, il pleut. J'ai arrêté une extremis Ridvic qui allait faire un feu et on va lui faire faire la lessive en attendant bah, le reste de la journée. Donc tu vas prendre emmener le linge, s'il te plaît, et tu vas faire la lessive, comme ça t'occupera. Et tout le monde dort sauf le petit. Ah mince, donc lui, non, tu vas pas faire la lessive en fait. Tu vas prendre dans tes bras, tu vas l'amener en bas et on va s'occuper de lui. Donc. Hop, ah non, j'allais dire, mais lui aussi, il a pas faim. Ok, super. Donc, tu le descends ici. Et, hop. Non, mais. C'est pénible, je me suis loupé. Donc, tu le reprends dans tes bras, s'il te plaît. Voilà. Toi, t'as faim, t'as pas envie d'aller aux toilettes. Ce qui est bizarre, t'as dû faire dans ta couche. Donc, toi, forcément. Tu te réveilles, donc tu vas retourner dormir s'il te plaît. Mais attends. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réveiller toi. Tu vas lire une histoire un pour l'endormir à Farah. Ça lui fera monter son. Hop. Et tu vas poser Gaius ici, s'il te plaît. Voilà. Et donc toi, tu vas aller dormir. Enfin, tu vas lire son histoire. Ensuite, elle ira dormir. Tu iras retourner dormir. Parce que du coup, Farah fête son anniversaire mercredi. Et il lui reste, bah en fait, elle est niveau 4 partout. Je me suis dit qu'on allait peut-être réussir à le faire monter niveau 5, mais en fait, je pense pas. On verra. Donc tu la. Vas-y, fais-la dormir. Super. Et ensuite, toi, tu iras dormir aussi. Toi, tu joues. Toi, tu as pris à manger, c'est bien. Tu es autonome, magnifique. Donc lui, il a le trait angélique. Il a pas beaucoup de compétences, même ce qu'il vient de grandir. Son anniversaire, c'est dans pas longtemps, c'est dans longtemps. Donc là, c'est l'anniversaire de Farah. Pratique, le petit calendrier qui nous le redit. Je crois que son anniversaire est ici. Non. Comment ça, c'est son anniversaire? Ça veut dire qu'elle va mourir à ce moment-là? Attends, il y a même le jour de la mort. C'est un peu morbide quand même. Donc c'est qui toi, t'es? On sait que Nara va mourir jeudi prochain? Mais genre. Ok. Pourquoi donc? Mais Edeline, elle est plus vieille depuis longtemps? Ok, on verra bien ce que ça veut dire. Mais bon, si ça veut dire qu'on a le. Oh! Il pleut plus! Il pleut plus! Ouh là là. Tu veux pas. Ah, si. Ah! Bref. Ah! On va s'occuper d'eux parce qu'ils vont faire n'importe quoi encore. Donc, il pleut encore plus, c'est magnifique. Qu'est-ce que tu fais? D'accord, tu lui changes sa couche. C'est bien aussi. Donc, toi, t'as fini de manger. Ok, c'est génial. On va faire un truc fun, tu vas voir. On va t'apprendre à parler. Je sais, tu vas voir, c'est magnifique. Carte de support. Non, ok, donc on va apprendre à parler. Voilà. Là, on a des fortes pluies. Moi, je suis d'accord. C'est magnifique. On n'a pas des orages encore. Je crois que l'orage, c'est prévu pour demain. Demain. Mais. Pourquoi c'est revenu, ça? Je veux pas de. J'ai dit, on veut pas de jour férié. Et du coup, il y a des flaques de boue. On peut faire des batailles de boue du coup. Magnifique. C'est bien pour les enfants quand ils reviennent, ils vont être tout sales. C'est trop beau. Et la voiture, elle laisse des traces derrière elle. La voiture, elle laisse des traces. Elle est où? Elle est là, regarde. Il y a ses pneus qui laissent des traces dans l'eau. C'est juste magnifique. J'adore.
Bref, donc eux ils apprennent à parler. Ce qui est bien, ça lui fait monter son fun. Moi je suis d'accord. Ça te le fait monter aussi à toi ou pas? Non. Alors toi, lui c'est fun pour lui, mais c'est pas fun pour son fils. Ah, il faut payer les factures. J'ai pas pu atteindre votre boîte aux lettres. Tu te fous de moi? Elle est où? Elle est même pas là. Donc forcément, si elle est pas là, elle peut pas atteindre la boîte aux lettres. Hein. Juste comme ça. Alors toi, t'es réveillé? Ah, t'avais envie d'aller aux toilettes. Mais écoute, tu vas aux toilettes. Tu vas aller payer les factures. Hop, va payer les factures. Tu vas prendre une portion. C'est bon, t'as pris la portion ou pas? Non. Tu vas prendre une portion. Voilà. Et hop, voilà. T'as tout payé. Tu vas prendre ta portion. C'est qui? C'est qui toi? Je te connais pas, toi. Si? Ah, on les reconnaît plus maintenant qu'ils sont changés. Enfin, je crois que je vois qui t'es, mais. Patrick Gérard. Toi, tu manges. Toi, t'es triste parce que tu veux te divertir. Mais écoute, ensuite, on ira jouer au cube quand ce sera fini. Quand t'auras au moins gagné un point. Oh non, on ira t'apprendre à manger. On ira t'apprendre à manger. Oui, tout à fait. On ira te lire un livre. Bon, attends, on va te lire un livre tout de suite, ça ira plus vite. Popo, lire un livre. Vas-y, on est d'accord, on va lire un livre, on s'assoit. Qu'est-ce que tu lui lis? Tous pareils pour l'instant. Ah, toi tu travailles dans une heure. Ok, c'est pour ça que tu t'es réveillé. Bah écoute, tu vas nettoyer ton assiette et puis tu vas travailler dans une heure. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'adore. J'adore. Il pleut. C'est trop beau. L'esprit de. Oui, super. Bah, Genji disparaît. Qu'est-ce que je te dise? Il fait moins jour qu'avant. On a vraiment l'impression qu'il fait. Moins jour qu'avant. Je sais pas comment le dire, mais. C'est trop beau. Toute l'eau là dans ce chemin. C'est trop beau. Il y a plein de flaques partout. Ah, il y a quelqu'un qui a voulu jouer, c'est ça? Faire une bataille de bombes à eau. Par contre, les abeilles. Mais pourquoi tu veux aller. Ah, mais t'es là! Ah, oui, t'as ton petit parapluie. C'est trop mignon. Oula. Oula, oui. Bah oui, t'avais besoin de te charger quand même. Ton petit parapluie, madame. Par contre, ouais, plus personne marche sur la route en fait. Donc toi, tu vas travailler. Tu vas travailler. Ouais, toi, tu nettoies tout ça. C'est bien. Toi, bah, écoute, on va te re-relire un livre. Comment ça? Ah, j'allais dire, ton imagination, elle a pas trop monté quand même. Ok, écoute, va lui lire un livre. Lire un livre. Allez, on est reparti. Qui c'est qui fait du bruit? Non, 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 non. Alors, tu attends 2 secondes que je te mette une pomme dans ton inventaire. Et ensuite, tu vas griller des fruits. Voilà. Alors, toi, tu lis son bouquin. Oula, il va avoir envie d'aller aux toilettes. Donc, on va juste finir le bouquin. On va l'amener aux toilettes. C'est bon, il est fini le bouquin ou pas? Presque. Vas-y, finis ton bouquin. Voilà, apprendre à aller sur le pot. Oui, je sais, t'es stressé, tout va bien. Allez, on va sur le pot. Allez, on se dépêche. Mobiliser toute l'équipe. Je sais pas ce que ça fait. T'es qui, toi? Taquineur de goujon. Navia Bernard. Je sais pas si mon jeu va pas générer des gens, en fait. Des gens. Des jeux. Des gens, oui. Mais c'est ça, c'était bon mot. S'il a pas généré des.
autre que des ados, on verra. Donc toi, t'as faim, t'iras manger après. Toi, t'as envie d'aller sur le pot. On va essayer de te faire finir ça. C'est qui, toi? Bonjour. Oula. Alors oui, alors lui, il a pris le chapeau qu'il fallait, quoi. C'est le chapeau du Père Hiver, monsieur. C'est pas vraiment le chapeau à porter quand il pleut, quoi. Juste comme ça. Un conseil, hein, sans vouloir donner des ordres. Toi, tu vas aller aux toilettes. Non, tu vas pas allumer, on s'en fiche. Tu vas aller aux toilettes. Et tu vas manger. Toi, t'as mangé, donc tu peux aller nettoyer. Et tu travailles dans 14 heures. Toi, tu travailles pas. Et toi, tu travailles dans 22 heures. On a le temps encore. On a le temps. C'est qui? C'est Mariko ou pas? Non, c'est toujours l'autre de tout à l'heure. Elle a décidé d'avoir l'air complètement blasé. Mariko, elle va plus passer, vous allez voir. Il va falloir aller la chercher. C'est qui ça? Karim. Hop, 2 secondes. Soraya, Gabir, et ça c'est la... Non, Genji, ok. Comme les autres, elle va plus passer, on va plus la voir, magnifique. De toute façon, on a encore un peu de temps. Hein. On va au moins essayer d'attendre que il n'y ait plus trop de bambins à s'occuper dans la maison. Ah, ils vont s'enlacer, super. Tu peux attendre qu'il ait fini de manger, par exemple, non? Et tu devais pas travailler, toi? Ah non, c'est toi. Oui, n'importe quoi. N'importe quoi, moi. Hop, donc toi, t'as fini. Alors, attends. Toi, t'as fini. Ce qu'on va faire, c'est que... toi, tu vas aller manger. Et pendant ce temps, Nara, elle va aller faire prendre un bain. Oh là là. Donner un bain à Gaius. Il va falloir aussi réparer cet évier. Il est 20h, il pleut toujours. C'est magnifique. Il pleut toujours. C'est beau. Avec ce son. Avec ce son magnifique. C'est qui ça? Izimi Suski. T'es nouvelle, toi. T'as un uniforme de scout. Madame Izimi Suzuki. Suzuki? Bref. Donc, il mange. Toi, t'es en train de... Voilà, t'as donné son bain. Il est content ou pas? Pourquoi son bain il va terminer? Bon écoute, non. Répare ça s'il te plaît. Tire la chasse. Non parce que là sinon on va pas s'en sortir. Si elle lui finit pas son bain. Bon t'as autre chose à faire qu'aller voir le bon bain toi. À faire du yoga tiens. Ah il pleut plus. Toi, va donner un bain à Gaius. Allez. Non, pas toi. Non, mais vous êtes pas obligé de vous parler en fait. Enfin, de vous parler. T'es obligé de t'asseoir pour lui dire d'aller prendre un bain. Tu le prends et puis c'est tout. Non, plus. Mais pourquoi tu le sors du bain tout de suite là? Ça y est, c'est revenu ce bug? Mais... T'es pénible, c'est parce que t'es fatigué? Non mais, toi tu arrêtes. Comment ça? Bah, elle a très faim, bah, elle va manger, elle va chercher à manger toute seule. Qu'est-ce que j'y peux, moi, qu'elle a faim? C'est bon, vous avez décidé? Eh ben dis donc. Il était temps quand même. Et du coup, il va devoir aller
Chercher à manger tout seul. Bravo. C'est bon? Oui, bah il a faim, oui, on est d'accord. Maintenant tu peux arrêter par contre. Toi tu peux... tiens, on va aller te faire faire la lessive que je voulais te faire faire tout à l'heure. Toi tu vas manger. Toi t'as fini. Tiens, va jouer avec lui. Plus de choix, jouer. Non, alors, et... Hein, mais ils sont pénibles hein, avec les bambins, c'est dingue ça. Tu arrêtes de dormir, tu viens ici. Allez, lève-toi. Non, alors toi tu viens ici, tu vas faire un peu ce que je te dis de faire ou pas? C'est pénible ça, allez. Donc toi t'es revenu. Tu vas aller aux toilettes. Tu vas aller aux toilettes. Ou pas. Tu vas les réparer. Quand t'auras fait ça, tu vas... Ok, bon, fais ça. On a l'arrivée de Atticus qui vient faire le ménage. C'est magnifique. Oula, toi t'as besoin d'un bain aussi. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que toi, tu vas arrêter. Tu vas donner un bain à Farah. Et toi, quand tu auras fini, tu vas aller prendre dans tes bras. Et tu vas aller poser Gaius ici. Toi, on a dit, tu prends ça, tu prends une douche. Pendant ce temps, tu vas aller jouer. Toi, tu vas aller manger. Toi, vider la lessive. Prendre et poser le linge. Voilà. Change l'eau. Mettre là. Fouille les poches. Et tu vas laver dans une bassine. Voilà. Pourquoi c'est toi qui es dans la baignoire? Non, ok. Bah écoute, va prendre un bain. Toi, dans la toilette. Va sur le pot. Quelqu'un va te lire une histoire ensuite. Je sais pas qui, mais quelqu'un. Toi, t'as fini de manger. Ok. Non, attends. Toi, tu arrêtes. Tu vas apprendre à aller sur le pot à Gaius. Allez. Une fois que t'auras fait ça, on ira le coucher. Toi, t'es embarrassé. Pourquoi? Je sais pas. Il y a une qui t'a surpris. Farah peut-être, je ne sais pas. Toi, bah écoute, pendant un petit peu de temps, tu vas étudier les formes. Voilà. Super. Oh, le pauvre. Il a été sur le pot, moi, même pas. Hop. Apprendre à aller sur le pot, vas-y. Allez. Non. Non mais c'est vraiment n'importe quoi là, vous faites quoi tous? C'est dingue ça, vider la lessive. Ah là, tu accroches la lessive s'il te plaît. On se dépêche. Tu changes l'eau. Ensuite tu vas aller dormir. Toi...
Vas-y, tu lui apprends, elle est sur le pot, il se dépêche. En même temps, s'il mettait pas 3 heures à faire dans son pot, il y aurait pas de soucis. Il y aurait pas de soucis, non. Allez. Mais voilà. Ensuite, toi, tu vas aller lire une histoire à Gaius. Toi, tu vas aller dormir. Toi, tu vas aller réparer ça. Bon, écoute, toi, tu vas aller lire une histoire. Non, pas à Pharah. Tu vas lire une histoire à Gaius. Toi, quand t'en es dans tes compétences, niveau 4 en communication. Écoute, continue ta réflexion. On va trouver quelqu'un pour jouer avec toi. Toi, t'es fatigué, donc tu vas dormir. Toi, tu vas hop, lire une histoire pour qu'il s'endorme. Voilà, tu vas lui enseigner les formes, comme ça, ça va monter. Hop. Mon fils, t'es fatigué, tu finis d'abord. Finis de faire ça avec elle. C'est bien, Pharah, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, il te reste pas grand chose. Communication, imagination et mouvement. Le plus dur, c'est la réflexion. Bon, tu vas aller aux toilettes, parce que tu vas. Sinon, tu vas. Hop. Tu dis les formes, s'il te plaît. Oh, il repleut. Je sais pas quel temps il fait aujourd'hui, si on est mardi. Orage, il y a de l'orage aujourd'hui. On va voir des éclairs. Et t'as encore cassé les toilettes? Mais, ah non, c'est vrai. Mais si, on... J'ai l'impression qu'on venait de les réparer, quoi. Ah non, mais c'est... Oula, tu travailles dans pas longtemps. Bon, c'est pas grave. Tu vas réparer ça. Tu vas... Y a rien à manger. Magnifique. Mais écoute, tu vas... Ouvrir... Hop. Hop. Tu vas... faire des fruits grillés. Laisse-la tranquille. Tu peux la laisser tranquille, s'il te plaît? Voilà. Bon, t'en es où, toi, avec ta compétence? Je vois même plus ton truc, du coup. Bah, on peut la finir, là. Easy. Allez, t'y es presque. Et ben voilà. Et toi, tu vas lire une histoire pour l'endormir. Et puis on est bon. Donc elle atteint le niveau 5. Nara part travailler. Bonjour madame. Ah mais c'est toi tout à l'heure en fait. Izumi. Shizuki. Hop, toi t'es monsieur vieux. Monsieur vieux. Toi. Oups. Avec ton bonnet de Noël. Tu fais partie de la famille de... celle de sous-salaire, la blonde? Toi, il y a Michael Jackson. Ah, il y a les pigeons qui roucoulent. Donc hop, toi, on fait monter ton imagination. On va essayer, on va espérer que ça monte bien. N'empêche, communication, elle a papoté en faisant son truc. C'est monté quand même pas mal. Hein. On peut le faire, on peut le faire. Je crois qu'elle est son anniversaire, c'est à 17h. On va voir. Donc elle dort, c'est bien. Toi, t'as envie d'aller aux toilettes, t'as envie de manger. Normalement, il y a Nara qui a dû faire à manger. Parfait. Donc tu vas prendre une portion. Voilà. Et... les mêmes avec leur parapluie noir, ils sont pas très
Ils sont pas très originaux. Demander de l'aide. Gain de performance moyen, c'est super. En plus, vu ton état en allant travailler, il vaut mieux. Parce que, waouh, t'as pas mangé, t'es fatigué, enfin bref. Je suis pas sûr que t'aies ton. Une promotion, hein, comme ça. Surtout que t'as quitté ton travail tôt, là, une fois. Oh, ça y est, de l'orage. Waouh! C'est violent. Oula! Alors lui, Genji, je sais pas quoi là, il est. Il est pas très content, hein, monsieur Genji. Hein. Waouh! Ah, c'est vraiment. Y a... Hop! Allez, on va voir. Orage et chaud. Waouh! Il pleut vraiment beaucoup là, c'est. On sent. Enfin. On sent bien qu'il pleut bien. Rigole pas, quoi. Ça rigole pas du tout. Bref, on va retourner. Ah, oh, la corde a cassé. Qu'est-ce que tu as pleuré? On avait du bon linge et la corde a cassé. Magnifique. Oh, il y a de l'orage! Trop bien! C'est génial! C'est génial! Clairfort. Je sais pas si on va avoir des éclairs du coup. Moi j'attends que ça. Est-ce qu'on peut avoir des éclairs s'il vous plaît? Oh! Il y a eu un orage! Il y a eu un éclair! Oh, c'est trop bien! J'adore. J'adore, je suis fan. C'est franchement, c'est le truc qui manquait quoi. Le truc qui manquait. Alors tu vas pas aller pleurer s'il te plaît? Ah oui mais mince, du coup ouais, je sais pas s'il va y avoir du monde pour qu'il puisse. Non mais arrête de vouloir aller pleurer, tiens, on va faire le ménage. Ben voilà, tu vois, ça va mieux, c'est mieux décoré ici. Prendre une douche sous la pluie? C'est quoi ça? Prendre une douche sous la pluie? Sérieux? Mais c'est génial pour la peau! Mais c'est génial! Mais c'est trop génial! Ah non mais... Ah non mais sérieux? C'est trop... Oh non! Ils ont pensé à ça quoi. Mince. Ah mais du coup... Oh non, sérieux quoi. C'est trop fort. Ah, on va prendre une douche sous la pluie. Ah, attendez. Oula, alors toi t'es bien équipé, dis donc, Monsieur Hugo Bertrand. Ok, donc tiens, va lui dire bonjour, présente-toi poliment. Éventuellement, on va lui demander de rentrer dans la maison. Non mais, ok, bon alors là, potentiellement, je comprends qu'il s'en aille, mais... Présentation polie, s'il te plaît. Tu y vas ou pas? On va te demander de rentrer cette fois, t'inquiète pas. On va pas vous laisser dehors. Allez, vas-y, rentre avec lui. Rentre dans la maison. Ah, tu peux pas, mince, c'est vrai. Verrouiller la porte pour tout le monde sauf les membres du foyer. Mais j'adore. Attends, reviens. Fais connaissance. Je crois que j'ai pas bien verrouillé la porte en fait. Ah, je crois que ton parapluie est cassé. On peut bloquer pour un sinistre. Ça, c'était pas avant. Débloquer, voilà. Se plaindre des orages. Voilà. Ah ouais, il y a un orage. C'est pas très cool quand même. Rentre avec moi dans la maison. Comment ça, tu peux pas rentrer? C'est débloqué. Je t'ai autorisé à rentrer. Verrouiller la porte pour tout le monde. Autoriser l'accès à... Débloquer pour un sim spécifique.
Bah, débloquer. Bah, viens là au moins. Bon, attends. Se plaindre de la pluie. Discuter ici. Ah ouais, tout. Ah. Lui, s'il est réveillé, il a faim, il a envie de prendre une douche. Et toi, oulala, toi aussi, donc tu vas faire ça. Tu vas prendre un bain. Toi, tu dors. Oula, t'as encore super faim, t'as envie d'aller aux toilettes. Bon, écoute, hein, c'est qui ça? C'est pas Mariko par hasard? Patrick. Patrick Girard. Donc, alors, drôle. Plus de choix. Offrir un cadeau amusant. Ça, c'est nouveau, par contre. Oh. Ouh, il a pas aimé ça, je crois. Drôle. Raconter une blague. Drôle. Faire une blague sur la mode. Par contre, ça l'a. Faux cadeau drôle. Ce faux cadeau était hilarant. Amoureux des chiens. Faire les hurons. Drôle. Faire des grimaces. Une histoire drôle. Drôle. Faire une imitation. Tu travailles quelle heure? Tu travailles dans 3 heures. Donc, ok. Donc, on peut rester là 2 secondes. Waouh. C'est vraiment le déluge. Hein. Je voulais juste voir la tête de Patrick Girard. Je ne sais pas si on le connaît ou pas. Ah, bah oui, c'est toi. C'est toujours les mêmes qui passent. Oula. Elle est vraiment, vraiment pas contente. Mais à chaque fois que je regarde, je me dis, je vais faire une capture d'écran. Mais en fait, c'est débile parce que c'est des captures d'écran de trucs qu'on voit tous les jours. Mais ça change tellement tout. Il y avait des fleurs, ces arbres avant. Je sais même plus. Parce que du coup, en fait, pour faire la donne, ils ont dû refaire tous les arbres. C'est pour ça, entre autres, qu'on n'a pas d'arbres en fait dans le pack. Parce que. Ok, bah fais comme chez toi, hein. Hein, rentre pour lire un bouquin, on ne dira rien. Par contre, alors tu voulais pas rentrer, et maintenant, ça te dérange pas, quoi. Drôle, hop. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? T'as faim. Alors t'as faim, tu vas manger, c'est logique, non? Toi, t'as faim, donc tu vas manger aussi, logique. Toi, on va quand même te réveiller parce que j'ai peur que on t'embarque. Oh, alors toi, t'es triste parce qu'il y a de l'orage. Prends une portion. Alors non, mais vous êtes pas obligé, t'es pas obligé de participer à la conversation en fait. Je t'explique. Tu peux aller t'asseoir là-bas, par exemple. Et toi, discuter. Non, tu vas continuer à lui. Tu vas pas le draguer. Tu vas, non, pas draguer. Faire des grimaces toujours. Drôle, raconter une histoire drôle. Essayer d'aller sur le pot. Mais en fait, c'est déjà ce que je t'ai demandé de faire. Et ensuite, tu te dépêches et ensuite tu vas manger. Ok, on fait ça? Et ensuite, on essaie de te faire monter soit ta communication, soit ton imagination, au moins niveau 5. Sachant qu'il va nous rester une journée en gros pour faire les deux autres. On va tenter, hein. Donc le travail d'Augustus commence dans 1 heure. À quel moment? Ah mince, c'est pas toi, Augustus. Je crois que c'était Ridvic. Je crois que Ridvic, c'était. Drôle, faire une blague. Drôle, raconter une histoire drôle. J'adore. C'était quoi la météo pour les autres jours? Je crois qu'il y a de l'orage aussi demain. Il y a de l'orage demain, il y a du soleil jeudi, vendredi il pleut, samedi il y a de l'orage. Et dimanche et lundi il fait beau et c'est l'anniversaire d'Augustus. On va envoyer Augustus au travail et puis on s'arrêtera là je pense. Il reste 40 minutes avant qu'il y aille, nous qui vont profiter. Joueur. Il est humide, il est. Oui, c'est désagréable l'humidité. Une pluie intense et froide, c'est après le moral de n'importe qui. Je sais pas si dans les Sims 3 ils avaient ce genre de moodlet. Tiens, au lieu de t'occuper de Farah, va nettoyer s'il te plaît.
Et toi, mais t'as déjà été sur le pot en fait, c'est débile. Tu refais ce que je te dis de faire. Bah écoute, fais comme c'est toi, mange. Hein? Jouer, j'adore l'orage dans ce jeu. C'est, en fait, il faut jouer avec le casque, avec un casque, je pense, parce que du coup, on est bien dans le, dans l'ambiance. Il y a une histoire que je raconte tout le temps dans les, autant des Sims 2 en fait. Ah, une fille, c'est qui? Donc dans les Sims 2, bah, il y a la famille avec laquelle je jouais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, ça va. Un jour, bah, c'est pareil, il y avait un gros orage, une grosse tempête, tout ça, et il avait fait noir. Enfin, il s'est fait sombre toute la journée, c'était déprimant. Je crois qu'il y avait, je crois que j'avais dû sauver deux fois des Sims qui étaient, qui s'étaient fait électrocuter. Et mais franchement, c'était une journée déprimante, quoi. Et à la fin de la journée, là, il y a le patriarche de la famille qui meurt. Et c'est juste déprimant. Il pleuvait toujours, il faisait sombre. Enfin, c'était tellement une ambiance. Enfin, ça donne tellement une ambiance que. Je pense que c'est vraiment un truc qui manque dans le jeu, en fait. Atilus est en train de disparaître. Donc, pendant que je racontais ma vie, Augustus est parti travailler. Il est très joueur, il a tout ce qu'il faut. Peut-être qu'il va avoir sa promotion, peut-être qu'il aura jeudi, on ne sait pas. Je sais plus, il était niveau 7, je crois. Il va passer certainement au niveau 8. On verra ça sûrement dans le prochain épisode, en même temps que l'anniversaire de Farah. On va voir si on va réussir à lui faire monter toutes ses compétences. Donc j'espère que l'épisode vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à aimer la vidéo, n'hésitez pas à commenter pour me faire part de vos idées, commentaires ou autres sur l'épisode. Et nous, on se retrouve avec un nouvel orage dans le prochain épisode. Salut!